oses vivre et l'envoli bon. Tu ne t'es pas présenté. Le Seigneur t'avait peut-être parlé d'une manière ou d'une autre de bien te préparer par rapport à cette mission, mais que tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas c'est quoi ton péché ce soir, mais j'aimerais nous demander à nous tous s'il y a quelque chose qui peut nous priver de voir la gloire de Dieu. Nous allons nous incliner devant la face de Dieu et lui demander d'avoir pitié de nous. Nous allons lui demander de nous pardonner car nous ne pouvons rien faire sans lui. Ça serait insensé pour nous d'aller et de dire Seigneur, fais-nous voir ta gloire tout en sachant qu'on a des choses qui peuvent nous priver de cette gloire. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Si tu veux aller à genoux, debout, assis, je ne sais pas. Mais j'aimerais juste que tu pries de tout ton cœur et que tu demandes à Dieu de te pardonner. Et que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha purifie ton cœur, purifie nos pensées, nos consciences, purifie tout de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie, prie,
prie. Ils sont en train de voir des gens qui sont un peu fatigués. S'il te plaît, prie. On est là juste pour quelques minutes, mais j'aimerais que ça ne passe pas comme ça. J'aimerais que tu profites de ce moment parce que je suis rassurée que le Seigneur veut faire quelque chose en nous ce soir. Là-bas, ça s'ayana, là-bas, que le Seigneur attend de nous. Oui, Messie, Jésus, maintenant.
Je ne sais pas pour toi, mais moi je peux sentir la présence de Dieu en ce lieu. Il est temps de profiter de cette présence et de lui demander de nous remplir, de nous remplir de son onction, de nous remplir de son onction. Que notre coupe déborde, que notre coupe déborde, que notre coupe déborde, que notre coupe déborde, que notre coupe déborde. Nous allons lui dire, Seigneur, Motonaïe est là. Elle qui campe tout autour de ceux qui le craignent, que cet ange campe tout autour de nous et qu'on prie tout que le diable est en train de préparer dans le monde de ténèbres, sans maison de Satan. Nous allons dire non à tous les esprits, nous allons élever le nom de Jésus au-dessus de tous ces noms-là et nous allons prier en toute direction. S'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui sont captifs, s'il y a des gens qui ont des soucis, des gens qui ont des problèmes, car nous avons vu ce qu'ils ont eu au Kamaboye. Zambé Abanda déjà pour ça, la médecine à la route. Ils ont la sentinelle, ils ont la garde, ils ont la commerçant, ils ont la businessman, peu importe la personne qui est dans ce bateau. Nous allons dire au Seigneur, puisque tu es avec nous, Seigneur, nous te demandons. Ce qui est lisé, Azala qui déjà a beaucoup faim, mais que nous courons et qu'on peut l'attendre dans d'autres. Pour qu'on peut croire qui n'a tombé dans les et bon mon biseau. Bazabatou, Azala qui naturellement colle au biseau. Parce que nous pouvons.
nous pouvons aussi appeler le nom de Jésus et le Seigneur peut aussi agir. Nous allons lui dire Seigneur, lelo lobité, bato bazan n'a pas sa mikongo. Bato bazan n'a pas sa moutou, oh migraine, oh maladie nini, oh il faut passer à l'opération. Ba miracle bandana bato.
Oye, tous au vivre et l'ongolibon.